Bonjour, bienvenue dans notre chaîne. Je propose une nouvelle liste. Il s'agit des textes que j'ai beaucoup appréciés. Par exemple, cette séance, je choisis pour vous, d'après pour communiquer en français de 5e année de l'ancien primaire, ce livret de l'élève vraiment très riche, un texte. Il parle d'un personnage vraiment célèbre. C'est la première femme arabe qui obtint son brevet de pilotage. C'est la première femme arabe aviatrice. Allons-y, on va découvrir ensemble ce fameux personnage. Ce personnage est Touré Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Voici Touré Chaoui. Une femme bien en avance sur son temps. Le destin de Touré Chaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touré, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste, reconnu homme de théâtre qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tetmelt, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touré était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrée d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Touré saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Fin tragique, morte assassinée. Quelques mois plus tard, Touré Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Voici donc Touré Chaoui, interviewée par ce journaliste, aimée par tout le monde. Elle était vraiment une femme bien en avance sur son temps, d'après ce texte. Alors, je vous laisse apprécier ce texte. Mettez une pause, essayez de lire et relire plusieurs fois. Et ensuite, vous pouvez faire un petit résumé. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Je vous donne un autre rendez-vous avec un autre texte qui va sûrement vous surprendre. Vous serez donc vraiment ému.